Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mardi le 25 de novembre à la recherche en 2023. Rappelez-le Louvain présenté dans le site web ci-dessus. Mindesurvivor.com, là vous pouvez dire ce qu'on veut chercher que de prendre en mesure que la nouvelle vous fait savoir ce qu'il faut savoir concernant la décision présente du gouvernement fiscal de l'État de Vermont des Antilles pour aider à des résidents sinistrés au Vermont. Ceux qui ont subi des dommages catastrophiques procurés de l'inondation catastrophique le mois de juillet de cette année 2023 dans l'État de Vermont des Antilles. En disant cela, on mesure que cette nouvelle fait suite à ce dont on a déjà parlé d'après les paroles du gouverneur Phil Scott durant la conférence de presse hier au Vietnam. C'est-à-dire d'après la nouvelle d'aujourd'hui, on mesure que le gouverneur Phil Scott de l'État de Vietnam des États-Unis a récemment donné son accord à l'action de faire une pause sur tous les règlements et tous les protocoles décidés au largement d'urgence au Vietnam, afin que tout cela ne ralentisse pas l'action d'accepter les résidents sinistrés dans les appareils d'urgence au Vermont, puisque l'hiver se trouve maintenant en voie de nous approcher. Disant cela, d'âge, je rappelle la nouvelle, on veut entendre reparler des points de vue du gouverneur Phil Scott sur cette matière. Il a dit que pour faire accélérer le processus de fournir le largement à des résidents sinistrés au Vermont, de telle façon que l'agence gouvernementale des États-Unis, FEMA, peut en faire partie, il est très nécessaire que ce processus ne soit pas ralenti par la réglementation du gouvernement de l'État de Vermont. C'est-à-dire, cette décision du gouverneur Phil Scott permettra de s'entretenir bien avec l'agence gouvernementale des États-Unis FEMA pour que les maisons mobiles servant de maisons provisoires pour les résidents sinistrés du Vermont puissent se réaliser le plus tôt possible dans les jours à venir à une localisation de l'Archery Country Club Road, qui est l'ancien site du club Elks Club dans la ville capitale Montpelier de l'État de Vermont des États-Unis.